va? Oui, merci, toi aussi? Ben oui, ça va. Mais là, j'ai vu les bikes, on dirait que je suis venue stresser tout d'un coup. Ouais, c'est normal, là. C'est ça qu'il faut, là. C'est comme... l'adrénaline. Ben oui, comme tu sais, c'est ma première fois. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. J'ai fait de l'enduro, de la moto de route, donc je connais la base à moto, mais la motocross, ça a l'air... Ah, tu vas du fun. C'est next level, là. C'est next level. Puis là, ben, on est où aujourd'hui? Pourquoi on a choisi cet emplacement-là? Aujourd'hui, on est à X-Town. Okay. Moi, c'est ma home track. J'habite à 20 minutes d'ici. Puis j'aime bien venir ici parce que c'est une track qui est super diversifiée. Il y a une track débutante, il y a une Pee-wee, il y a intermédiaire puis expert. Donc, c'est une bonne place pour commencer pour quelqu'un comme moi. Parce que tu as commencé par la moto de route, c'est ça? Oui, j'ai commencé par la moto de route. Ça fait 4 ans là, que j'ai mon permis. Puis c'est ça, tu sais, des fois dans des routes plus sinueuses, ben j'avais de la misère à suivre mes amis. Puis tu sais, je manquais un peu de technique. Fait que mes chums m'ont dit, tu devrais essayer de faire un peu de motocross, ça va t'aider, tu sais. Définitivement, ça m'a aidé. Ça m'a pas juste aidé, c'est devenu une addiction. C'est devenu ta passion. Ah ouais. Là, t'as laissé tomber le bac de route, quoi? Ben, j'ai pas laissé tomber parce que c'est mon moyen de transport quand même. Tu rides quand même. Je ride à tous les jours quand il pleut pas pour aller au travail. Puis j'aime vraiment ça. Par contre, je fais beaucoup moins de rides avec mes chums parce que je suis tout le temps en motocross. C'est ça, c'est plus devenu un moyen de transport, puis le motocross est devenu ma priorité. Ouais. Donc là, on débarque ça? Ouais. Là, je te vois, là, je t'ai aidé à faire tes affaires, tu as fait ta rampe comme une grande. Le côté, justement, là, mettre un bike dans le truck, le débarquer, tout ça, ça t'a-tu comme intimidé au début? Ah ouais, vraiment, là. Vraiment. De partir à reculons avec le bike, au début, j'avais vraiment peur. Je partais tout croche, pas encore un peu croche. J'arrive à le stabiliser, à m'en sortir. Bon, là, les motos sont débarquées, je suis déjà stressée. J'ai quoi la prochaine étape? On s'habille, on y va! Donc là, on va faire la préparation du bike. C'est quand même important de s'assurer que le bike est sécuritaire parce qu'on s'entend, c'est quand même un sport à haut risque. Fait qu'en diminuant les risques le plus possible, on s'assure que la moto est bonne, est prête, est sécuritaire. Fait qu'on va huiler la chaîne, vérifier la pression des pneus, s'assurer que la suspension travaille bien. Puis c'est pas mal ce qu'il y a à faire là, à titre de préparation. Là, moi, je préférerais que tu m'apportes les motos où on va commencer, parce que je veux pas qu'il y ait quelque chose à se faire. Fait que là, on s'en va, là, avant de faire l'intermédiaire, on s'en va dans le débutant, c'est ça? Ouais, ben en fait, juste à côté, là, on va juste te voir tourner en rond avec, tu sais, la bonne position de base, là, juste pour que tu sois bien confiante avant d'aller dans l'inter. Je me sens un peu terrifiée, surtout après avoir vu la position de conduite, là. On a la tête quasiment en avant de la roue, on est vraiment penchés. C'est pas confortable, c'est un peu contre nature, bien surtout contre ma nature de fille de bike de route, là. Qui m'a position? Ça va bien? Ouais. Le premier tour, je pense que tu serais pas assez le bike. OK, ouais, mais ouais. Après ça, là, quand je t'ai fait ça, t'as l'air de l'avoir squeezé. Ouais, c'est vraiment, là, c'est les pieds. Ouais. Plus tes pieds sont à l'intérieur, là, plus tu es capable de serrer le bike. Là. Ouais. C'est ça que j'ai remarqué que je faisais pas. Là. Fait que là, j'ai serré les pieds. Puis, assise, tu étais un peu loin. C'est toi plus proche. Okay, plus proche du gaz cap. Okay, parfait. J'ai même pas switché de vitesse encore. Fait que là, je vais le refaire. Puis je vais me rendre en deux. OK. Prête pour l'intermédiaire. Exciting! Comment ça va? Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Il faut vraiment, je pense, à mes pieds ou quand je m'assis, d'être vraiment en avant. Quand j'ai switché la première fois, je pense, j'utilise la clutch. Je vais essayer de ne pas utiliser la clutch. Ouais. Puis la première fois, j'ai pas réussi à switcher parce que je pense que j'ai pas mis mon pied assez loin dans la vitesse. Mais c'est ça, c'est une question d'habitude. Là. C'est un peu différent, mais ça reste une moto tout de même. Là. Ouais, là, je m'en vais dans la piste intermédiaire, donc c'est vrai, là. C'est vrai, c'est pas juste un petit rond, là. Je vais suivre Véro, ça va bien aller, elle m'a dit de limiter, fait que je vais faire un peu ce qu'elle fait, fait que ça devrait... ça va bien se passer! We'll be right back.
c'est le bord les virages pour que tu sortes la place. Il y a d'autres mondes aussi. Les motos sont bruyantes, fait que tu as toujours l'impression qu'ils sont en arrière de toi. Véro, c'est une bonne propre, là. Va tranquillement pour moi. Je vais attendre Véro qu'elle revienne, là, puis on va repartir pour un autre tour. Véro m'a guidé un peu, j'ai commencé à m'habituer malgré mes quelques lacunes encore. C'est vraiment intense. J'ai fait 4 tours. J'ai l'impression de sortir de 2 heures de gym. Et là, préparez-vous à ma tête de fée de casque. J'ai chaud. C'est vraiment intense. C'est le fun, mais là, tu sais, moi le plus gros défi que j'ai trouvé, c'est de le faire au travers de tous les bikes. Que des bikes qui te dépassent à gauche, à droite, qui vont beaucoup plus vite que toi. Là. C'est vraiment cool. J'ai réussi à prendre les virages. Là, c'était d'apprendre à mettre ma petite patte plus dans les airs. Là, j'allais se traîner. Là, c'est bien beau, la petite débutante, là. Mais là, c'est Véro qu'on est venu voir rider dans la piste expert. Let's go, Véro! Sérieusement, la regarder faire ses sauts et ses manœuvres, j'étais vraiment impressionnée. On peut dire que Véro, c'est une vraie badass. T'es vraiment impressionnante à voir aller. Franchement, là, ça paraît ton 130 heures. Fait que là, ça, c'est juste une partie de ton monde. Demain, on s'en va visiter l'autre partie qui est ta shop de tatou. Ouais, on s'en va à mon studio, que c'est Loveless Tatouage, sur le plateau okay. Mont-Royal, et je te tatoue. Oh yeah! Tatoue plus! Rendue à Montréal, j'étais allée me chercher un petit matcha et je me suis dirigée chez Loveless Tatou, la shop à Véro. Véro! Allô! C'est bien beau chez vous! Merci! Wow! Je suis pas trop raquée d'hier? Non, ça va? Ouais, je pense que je suis prête à me faire tatouer. C'est cool, ça veut dire que t'es en shape. Et là, mon stencil, c'est ça. Oh wow, c'est beau. Fait que là, parle-moi un peu de ta shop, là. Premièrement, je capote sur le style. C'est vraiment beau. Merci. Ça fait combien de temps que t'as ça? Ça va faire 5 ans la semaine prochaine là, que j'ai ouvert. Ouais, félicitations. C'est combien de tatoueurs? On est 8. 8? Ouais. T'es en plein tout le temps là? Ouais, ouais. Le déclic de devenir tatoueur, ça part d'où? Ça part de longtemps. Quand, en fait, ça a commencé que j'étais vraiment petite, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Je m'achetais des magazines de tatouages, puis je redessinais les flashs. Je comprenais même pas que c'était des tatous. J'essayais de démêler les dragons là, avec les petits cœurs, puis une petite affaire comme ça. Puis à 13 ans, j'ai eu mon premier tatou. À 13 ans? Coccinelle sur la main, là. Ben non. Comment j'aimais ça à 13 ans? Ben là, je m'étais fait des fausses cartes avec l'ordinateur. J'étais partie sur le pouce à Rimouski. Je viens de la Gaspésie, y avait rien par là-bas. Je reviens le soir, mais par la capotait. Mon père dit, t'es même pas capable de me chercher une bière dans le cave quand il fait noir parce que t'as peur, mais tu passes sur le pouce à Rimouski à te faire tatouer, c'est quoi? J'adore. Là, j'étais comme, ouais, ben c'est ça que je veux faire. Et là, mes parents étaient comme, ben non, c'est trop risqué, là, tu sais, tu peux pas faire ça. Fait que j'ai choisi d'aller à l'école de cirque. OK. Fait que j'ai fait du cirque pendant, je sais pas, peut-être 4-5 ans. Après, j'ai été amuseur public avec des amis. On se promenait de village en village à faire des shows là, avec les manèges, à faire le même. On vivait dans une vieille caravane. Puis, il y avait des tatoueurs souvent. OK. Fait que c'est comme là que tu as rencontré un peu plus le monde du tatou. Ouais, c'est ça. Puis, mais tu sais, je m'intéressais à ça. J'ai jamais arrêté de m'intéresser à ça. J'ai acheté encore des magazines, des trucs comme ça. Ben, à un moment donné, dans une ville, c'est ça, j'ai rencontré les tatoueurs, puis je suis restée là, puis j'ai fait un apprentissage. OK, c'est là que ça a commencé pour vrai. Là. Ouais. Puis ça a jamais arrêté après ça. Jamais. Donc là, prochaine étape, j'imagine que tu me mets ça sur la jambe? Ouais, je vais te mettre ça derrière la jambe. Et je vais accepter mes machines, puis on avance. OK.
Bon, je vais finir mon petit matcha pour me préparer mentalement, puis on va commencer ça. Avant de commencer le tatouage, je voudrais te remercier de m'avoir fait découvrir tes deux passions, de m'avoir enseigné le motocross. C'était vraiment le fun. Oui, ça m'a fait plaisir. C'était le fun pour moi aussi. Ça me donne le goût d'y retourner, peut-être. Ben oui, n'importe quand. Ben, n'importe quand. Ça serait le fun. Puis là, ben, on va commencer le tatou. Merci aussi de m'avoir fait découvrir ta shop. T'es super inspirante, t'es passionnée, ça paraît. Je suis pris. Merci, Maman Véro. Fasse de la confiance, c'est pas celle-là.